Donc tu peux venir crier ton ras-le-bol, mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas maintenant que tu allais crier ton ras-le-bol. C'était à la fin, à la clôture du tout. Parce que jusqu'à présent, je sais que vous êtes toujours dans les inbox des chefs là pour pouvoir vous prendre. Mais si vous n'avez pas été pris là, vous ne pouvez pas venir crier votre ras-le-bol comme ça en dénigrant le pays. La petite tête, on dirait, dénier pour de quelqu'un. Ok, on va donner la parole à... Ça, j'aime pas ça. Caleçon déchiré. Non, on ne donne pas la parole à caleçon déchiré. Doucement. Comment on va quitter la routine à la routine? Non, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Élu de Dieu, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Élu de Dieu, mais il y a combien d'élus de Dieu même dans Facebook, dans TikTok là? Tout le monde s'appelle... Chacun son élu de Dieu. Attends mon frère, ouais. S'il te plaît. Maintenant je comprends maintenant la première sortie des Apuchou. Quand il est sorti, là, il n'est pas sorti parce qu'ils n'ont pas pris les influenceurs. Il est sorti parce que son nom n'a pas été cité. Le petit là, c'est un sorcier. Vas-y, et t'écoute maintenant. Ouais, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole et merci aussi de m'avoir fait monter. Voilà, bon, moi ce que moi je veux que les gens retiennent, bon, que quand on organise un événement chez soi, je voudrais que nous tous, on se galvanise pour que l'événement se passe bien. Peu importe. Voilà, peu importe. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Ce qu'ils sont en train de faire, moi, je trouve que ce n'est pas logique. C'est un truc qui ne se passe chez nous ici, même si c'est comme on fait. Donc, il faudrait qu'on soutienne la chose pour que ça se passe très bien. Mais si nous-mêmes, on doit dénigrer nous-mêmes nos propres événements, et comment les autres, là, ils vont nous respecter? Tu vois? La Canada, ils ont organisé, ça a commencé, ça va se terminer, et puis on reste toujours ivoirien. Mais pour toi, un Ivoirien, comment tu peux sortir et puis tu vas venir dénigrer un événement qui se passe chez toi parce qu'ils ne t'ont pas choisi? Mais quand c'est bon, ce n'est pas bien. Tu donnes encore le pouvoir à nos ennemis, à ceux qui nous insultaient, de continuer à nous insulter. Voilà. Moi, à mon avis, ces gens de personnes, on doit les recadrer, quoi. On doit leur dire dans ce pays, ils ne sont rien. Voilà, ils ne sont rien. Les gens ont mis leur force, tous leurs moyens dans un truc et puis toi, viens dénigrer. Moi, le truc, c'est pas joli à voir, en tout cas. C'est pas joli à voir. Ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas, même c'est ma personne d'écoute. On doit leur dire leur vérité, quoi. Donc, qu'ils arrêtent. Voilà, qu'ils arrêtent. C'est un événement qui se passe chez nous ici. On doit soutenir ça. C'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller au terrain. Voilà. S'il te plaît, mon frère. Fabira, est-ce que tu peux nous faire venir Daouda? Je viens d'avoir une information dans mon WhatsApp. Est-ce que tu peux contacter Daouda, le journaliste Daouda, pour qu'il vienne en urgence, s'il te plaît, si c'est possible? D'accord. Ok, merci. Ok. Vas-y, mon frère, on t'écoute. Voilà, aujourd'hui, Makoso avec Apu, si on ne vous a pas choisi, ce n'est pas la fin du monde. Continuez à le faire comme vous avez l'habitude de faire. Soutenez, aujourd'hui, ce n'est pas votre tout. Demain, ça va être votre tout. Voilà, je ne sais pas comment, pourquoi dénigrer un truc qui se passe chez vous. Moi, je trouve que ce n'est pas bien, en tout cas. Moi, je n'ai rien à leur reprocher, mais qu'il se calme. Voilà, qu'il se calme. La chose, on va faire les trucs, ça se passe chez nous, pour que ça se passe très bien, dans des bonnes conditions. Et puis, on se laisse. Voilà, c'est une fête. Chaque fête, là, ça a une fête. Ça a commencé, ça va se terminer, ça va finir. Il ne faudrait pas qu'on vienne encore mettre les trucs, les dénigrements, nous mettons nos propres événements, venir dénigrer, et puis ça va mal se passer. Moi, je... Dany Ange, là. Qui a fait descendre Dany Ange? Excusez-moi, mon frère. Effectivement, c'est un modo. Et effectivement, tu sais, aujourd'hui, on devait en train de célébrer la CAN, de dire les failles de... Toujours, c'est vous de vous envoyer vos histoires. Vous nous rétablissez sur des choses. Donc, on devait parler de la CAN en train d'embellir ce que nous, on a déjà de savourer la chose. Pour ma cause, nous te vendre sur le podium. Du coup, et attendez, faire descendre tout le monde. Si tu m'as touché, Serge. C'est le réseau. Refaites votre demande, s'il vous plaît. Refaites votre demande, c'est le réseau. C'est le réseau. Vas-y. Donc, c'est ça. Je ne fais pas mon code de 1, il n'y a pas les... Ok, il me mute. Oui, c'est ça, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Makoso en premier et en deuxième. C'est elle qui donne le micro, Hey, Nadia, ferme ton micro. Hey, Nadia, fermez le micro de Nadia, s'il vous plaît.
Vas-y, on t'écoute. Donc, c'est ça. C'est les deux qui sont l'ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est les deux qu'on doit enlever de nos grains. Et puis, c'est tout. Comme il y a un monsieur qui disait qu'ils auront pour ils vont et ils seront réprimandés. Mais réprimandés quand? Toujours, on dit on les réprimande, on n'arrive pas à les réprimander. On se dit que c'est des blogueurs, ils veulent dénoncer. Vous ne dénoncez rien. Vous mettez la Côte d'Ivoire bas à la terre. Vous ne dénoncez rien. Tapoter. Sinon, hein? Vos corps seront jetés. Ce n'est pas de ma faute. Tapoter. Je vous laisse la parole. Je suis là, c'est. Ok, je te vois. Personne ne va te toucher. Si tu tombes, c'est le réseau. Tapoter, sinon les gens vont tomber sur le panel. Vas-y. Comment ça s'appelle? L'enfant de Dieu, on t'écoute. L'enfant de Dieu. L'enfant du peuple. Oui, vas-y, parle. Alors, j'étais en bas, je vous écoutais. Alors, je voulais juste donner aussi mon avis. Je voudrais demander à tout un chacun ici. Aujourd'hui, là, moi, j'ai regardé le direct d'Apoutou, là. Et sur le direct d'Apoutou, on ne l'a pas compris qu'on le traite de cette façon-là. Mais moi, je dis que... Refais ta demande, s'il te plaît. Vas-y, mon frère. Voilà, donc je disais, le direct d'Apoutou, aujourd'hui, moi, je l'ai regardé. Et ce qu'il disait, j'ai très bien écouté. Et si le direct d'Apoutou, on ne l'a pas compris, et que c'est comme ça qu'on traite Apoutou, c'est ces mots-là qu'on lui dit, mais moi je dis que ce n'est pas Apoutou qui est le sorcier, mais c'est nous-mêmes qui sommes les sorciers. Parce que ce qu'Apoutou est en train de faire, ce qu'il a dit, c'est pas qu'il est frustré, c'est pas qu'ils n'ont pas choisi raison pour laquelle ils sortent. Bon, mon frère, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question simple. Si on avait invité Apoutou à jouer à l'ouverture, tu penses que... Alexandre, ferme ton micro, s'il te plaît. Si on avait invité Apoutou à jouer sur le spectacle hier, à l'ouverture, tu penses que Apoutou allait sortir ici pour nous parler des problèmes des tickets, les problèmes de ceci, les problèmes de cela? Sois honnête et dis la vérité. T'es l'enfant du peuple. Dis la vérité et dis juste... Motion. Attends, okay. Vas-y, on t'écoute, Fabira. Voilà. Je voudrais ajouter à ce que tu as dit, Serge, que ce n'est pas ça le rôle d'un influenceur quand sa nation est en train d'organiser un élément assez important. Voilà. Et notre devise, c'est union, discipline, travail. Nous devons nous unir avec discipline pour bien faire le travail qu'on nous demande de faire. C'est en cela que nous sommes en train de critiquer. On n'est pas en train de l'attaquer. On critique sa sortie. Voilà, ce n'est pas le moment. C'est ce qu'on est en train de dire. Ok, motion, fin de motion. L'enfant du peuple, tu vas répondre à ma question rapidement, je t'écoute. Sois honnête et sois juste. Ok, merci frère, comme tu me laisses.